All right, n'a continuer oui. So, nous pral kounya la nan matière là, nous pral rentrer nan domaine nan kounya la. So, ki sa ki dropshipping nan encore? Son bagay que m'a répété presque ta chaque jour dans chaque vidéo que moi fait. Ki sa ki dropshipping nan? Dropshipping nan c'est un modèle business ou créé online côté que ou vend produit sans que ou pas posséder un stock. Aussi simple. C'est un système business que vous possédez online, c'est un système business que vous créez online, c'est un système business que vous vendez ou ouvrez online, c'est un système business côté que vous capable vendre online produit que vous pas procéder dans stock la caillou. Elle dit produit que vous pas même manger, produit ou pas même arriver toucher un jour. OK? C'est ça qui est dropshipping là. Et comme si vous prend produit ou aller sur un website ou prend photo produit en client photo produit yon fournisseur ou prend photo ça ou télécharger dans computer ou upload li dans store ou bien dans shop ou et puis ou mettez prix par si fournisseur avant ni temps ou même ou mettez temps et puis connait là le client acheter produit ça dans même et puis ou aller kay fournisseur ça ou acheter à bas prix et pour faire fournisseur là délivrer produit à bay client pour ça qui retient dans mon là c'est profit c'est ça qui dropshipping ouais ou acheter produit à main un fournisseur pour un prix ou vendre à profit aussi simple OK c'est ça qui dropshipping là. Dropshipping c'est un modèle business ou créer online côté que vendre produit sans que ou pas posséder un stock la caillou sans que ou pas besoin gagner un gros gros building pour mettre stock ou bien pour louer un gros caille pour mettre et secrétaire pour mettre trésorier pour mettre directeur général deuxième directeur ou pas besoin bagaille ça ou juste besoin yon computer yon internet et puis c'est ou même ou capable faire dropshipping là OK ou acheter produit ça nan men yon fournisseur pour yon prix là nous dit pour yon prix qui bas et puis ou vendre ni à profit et là nous dit profit à c'est ou vendre ni à qui un prix qui haut OK étape dropshipping là qui étape dropshipping là gain et dropshipping là li manifester dans 5 étapes ça que nous est là ouais 5 étapes seulement dropshipping là lui-même li manifester premièrement ou besoin joindre un produit ka yon fournisseur. Jean que nous te dit tout à l'heure, ou besoin joindre un produit ka yon fournisseur. Ou besoin aller yon côté soit Walmart, soit Amazon, soit eBay, soit CJ Dropshipping, quel que soit moun nan que ou te connaît qui vend en gros ou ka aller nan Alibaba tout, sauf que Alibaba gagne shipping nan qui anti jan slow, qui prend temps, ou ka aller nan AliExpress tout. Sauf que dans AliExpress c'est même genre avec Alibaba shipping nan li très 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 lent. OK, c'est tout ça que nous relé fournisseur à yo même. So, ou aller là kay moun sa yo ou joindre un produit ou ta remen vendre ni. Et produit ça ou ta remen vendre nan son produit que on connaît que client y a besoin. OK, c'est ça qui étape première étape nan dropshipping nan. Ou joindre un produit ka yon fournisseur une fois que ou joindre produit ça ou télécharger photo yo nous pas dire ou acheter nous pas dire ou faire rien nous dit ou prend photo produit ça ka fournisseur ou télécharger photo produit ça dans computer ou et puis ou poster et photo ça dans plateforme pour vendre. Et là nous dit ou poster photo à la plateforme pour vendre, li capable dans website ou, li capable dans Facebook Marketplace compte personnel ou, li capable dans Facebook Shop, li capable quel que soit côté à toi ou joindre ou capable joindre un client vin acheter. Ou poster photo ça dans plateforme ça. Li capable Shopify, li capable WordPress, WooCommerce, li capable Wix, li capable un paquet l'autre côté que ou capable poster produit ça yo dans plateforme. Kounya la. Troisième étape là lui-même. Kounya, l'offre une poster dans plateforme, pral menon dans troisième étape là parce que sous poster l'un côté et puis kounya va chercher moun et tant comme te ka diou ou gon bagay pour vendre nan men ou mettez l'un côté bon la ria et puis ou mettez le côté ou konnen moun a passé so et eh ben
website là c'est plateforme ou website là représenter la rue ou mettez produit à photo produit à dans plateforme là pour la rue et puis côté en pile mon a passé et puis un client gain doit pavoiser la marché et puis li wè produit là li remel li te gain doit besoin li ou bien comme ça tout te gain doit pas besoin parce que fi acheter sans que yo pas besoin des fois. OK, so li wè produit a li remen li et puis li di ban m'acheter produit ça. OK, et ben c'est comme ça que produit ça client wè l'acheter li nan men ou a ki on prix. Ouais, mais nan première étape là quand tu te joindre produit à kay fournisseur automatiquement tu te joindre ni a yon prix kay fournisseur à tout. Par exemple, ou te joindre produit à kay fournisseur à $1 ou poster produit ça sur website ou pas payer moun faire rien pour ou poster affaire ou il pas coûte rien ou poster produit ça dans plateforme ou dans website ou bien bon l'arrière ou mettez la vente pour $50. Kounya la client ça lui-même il pas pour acheter $1 dans mon l'a pas acheté à prix li wel là à prix ou mettez là. OK, kounya la client a pas acheté produit a pour $50. Les acheter produit à pour $50 ou même qu'on a au bras dans quatrième étape là au bras aller sur site sur website sur côté où tu joins un fournisseur à kay fournisseur même au bras aller. OK, on va prendre avion mais on va aller sur website li hein au bras acheter produit ça qu'on y a là pour $1 pour $1 et puis qu'on y a là ça va le passer ou kembe $49 ou nan men ou. Mais $49 ça c'est lui même qui profit ou ça c'est lui même qui profit que ou fait sous produit ya. Et puis kounya la $49 ça ou pas gagne on pral retirer la dernière parce que pas paye Facebook publicité parce que c'est dans Facebook shop nous Facebook shop ou pas paye publicité ou kembe $49 nan men ou comprenn ou bay fournisseur kounya la toute information client ou bay fournisseur adresse client ou bay fournisseur produit que client acheté quantité produit que client acheté et puis fournisseur lui-même la prend toute information ça avec dollar là ou payer là lui-même li pral ship li pral voyer produit ça la caille client bay pour sans que ou pas payer li en rien encore à travers adresse là que ou te bay li à travers adresse client que ou te bay fournisseur. Eh ben fournisseur lui-même li fait livraison produit ça pour sans gratter tête. OK, eh ben c'est comme ça dropshipping dans lui-même li manifester. On nous garde un exemple. Voilà, première étape là c'est joindre un fournisseur. OK, on dit là à $20 ou je n'ai un produit caillon fournisseur pour $20. Ouais, ça c'est premier départ là. Ça c'est premier et départ là. Ou joindre produit pour $20 mais ou pas acheter produit ou pas dépenser un goud ou dépenser les clients payer ou. C'est là ça ou dépenser. Mais tout autant pour que client pour que payer ou pas qu'à dépenser parce que par contre si mon va l'acheter. OK, ou acheter ou prend produit a ou garder produit a pour $20 ou prend produit ça ou mettez le dans shop ou là ouais pour vendre ou mettez en sell ou vendre produit ça pour $50 en dans shop ça poster li dans shop moi ou bien dans website moi ou bien dans Facebook shop. OK, pour $50 kounya là ça vient passer client ça lui même qui t'a pavoisé sur website là ou bien que t'as pas voisin bon shop moyen ni ouais produit à l'irémel l'acheter li dit gardon pia mais c'est $50 j'aime qu'on ait produit ça avant cher bon m'acheter l'acheter pour $50 qu'on a moi même qui ça m'aller kay fournisseur avec $50 ça mettez $30 en côté m'acheter grain produit à kay fournisseur pour $20 là parce que c'est $20 te mettez produit avant c'est $20 m'a payé fournisseur seulement pas qu'on a rien encore. Et puis même moment fin payer le $20, m tout bali information client. OK, et puis m dit le mec client, mais adresse client, mais combien et package client acheté, délivrer le pour moi, m payer le $20 li. Et puis m kembe
$30 pour film nan même. Kounya la, fournisseur li même li prend paquet ça à tout produit que client acheté à toute information yo, li délivre li bay la caille client. Mais à noter que ou supposé annoncer fournisseur pour pas mettre aucun reçu, aucun bagage qui gen rapport avec un business li la dan, ni prix produit à ni rien. OK, son façon pour client pas fâché contre parce que client compte fâché si l'ou t'a acheté le $20 et pour charger le $50, n'a dit qu'elle n'était qu'à save $30 ça. Et ben qu'on y a, les comme ça ou dit fournisseur a pas mettre rien qui gagne rapport à prix la donne et puis fournisseur a tendo parce que le besoin gain business ensemble avoir tout, l'a tendo et puis le pas mettre et puis l'a délivré package en bail client pour. Et puis qu'on y a ou même ou rester avec $30 profit ou nan men. Ça c'est profit que ou fait à travers que yon produit ou te joine pour $20. So kounya la ou gen $30 ça ou capable investir encore nan yon lot produit ou bien capable investir li encore nan business ou nan quelque soit ça que ou t'a vle faire avec bénéfice ça. Ça c'est pour ou li. OK? So en gros c'est ça en par contre qui j'aime te ka expliquer et concept dropshipping ça encore. C'est tout ça qui englobe dropshipping là, c'est tout ça qui fait processus dropshipping là et c'est comme ça li manifester pour nous-mêmes en tant que businessman. Nous dit tout le monde merci parce que tu regardes vidéo ça, n'a pour la prochaine vidéo.